Oh non, ça ouin-ouin encore à propos du galet brasilien parce qu'il y a beaucoup de craft. Laissez-nous! Laissez-nous faire du colis et gagner des camas comme ça. Oh, j'en ai marre. Tellement de banalité. Saupoudré de rage. Alors, attention, ce que je veux dire n'est pas là pour critiquer les joueurs qui font du PVP. Waouh. Tout ça, c'est un pavé sans un seul point. Sans un seul point, le chat. Je vous jure. Si ce mec était mon meilleur pote, qu'il se mariait et qu'il m'envoyait un faire-part de mariage avec un pavé comme ça, sans virgule, jamais de la vie, je viens à son mariage et je dirais même, je l'ignore jusqu'à la fin de ses jours. C'est quoi ça? Tu lis son faire-part et tu manques de crever, étouffé, manque d'oxygène. Non, il faut surtout pas que ça devienne opti. Parce qu'en fait, déjà qu'il y a des yobs d'opou, des ovales forcément d'opou, des steams d'opou, si on commence à avoir plus de classes d'opou, il y a moyen qu'il trifouille un petit peu la recette des d'opou, le rapport stats dégâts. Ouais. Tac, tac, tac. Et qu'on se retrouve avec un nerf, c'est pas le but. Salut Peps. Alors Peps, quel level? Salut Kev. Il est full terre. Oh non, Peps, l'ivoire. Oh, Z, Z, Z. J'ai pas t'acheté, ouais, mais ils disent tout ça. Le brain. Bon jeu peps. C'est l'évolution du mettez le cercle dans le rond, le rectangle dans le rectangle. Des enfants, vous voyez, pour qu'ils apprennent les formes et les couleurs. Bah en fait, l'évolution de ce petit jeu ludique pour l'éveil des 1 à 2 ans. Bah, c'est les joueurs pre-tech maintenant. Faut bien cliquer sur le triangle violet avant de lancer un colis. Bravo. Oh, j'ai si peu de côtes. Attends, j'ai foiré mes placements, quoi. Non, mais en Kama. D'où je start à 4100 de côtes. Je fais la même perf avec mon groupe. J'ai 200 de côtes de plus. Parce que là, du coup, jusqu'à 4003, ça devrait être EZ. Sauf s'il y a des crates fermes qui se glissent avec des stuff de ouf, niveau raise. Je vais de la moto aujourd'hui, pardon. C'était sympa. C'est Yutre. Les Dofus sont-ils obligatoires pour farm le colis 199? Non, tu fais un low cost, comme le dit Sunside. Au lieu de farmer à 4300-4400, tu vas farmer à 4000-4100. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir un chargeur induction sur ton téléphone? Non, c'est mieux, c'est pratique. Mais bon, ça c'est... Il est bien ton d'origami qui sert à rien? Parce que je te débuff. T'en profites bien de tes shields? Ah, ils me font trop rire. Ils me font trop rire. Ah, j'adore. Je me roule dans leur d'origami. On mange trop bien à la cantine, quand même. 200 de shields.
Ah, ça me prend 15 lots d'offus. J'adore. Cuff, cuff. Mais c'est bien. En tout cas, les crabes vont repartir feu. Banger. Ankama, what the fuck? Il y a un bug. Ankama, il y a un bug. Mais shield. Mais shield, il marche pas. Mais shield. Ankama, what the fuck? Ankama. Encore, il y a un bug. Mais shield, il marche pas. Mais shield. Mais honnêtement, c'est hyper équilibré, je trouve, actuellement, le farm queen. Bah, regarde, ouch. Là, on est dans le cas typique où un fécaire, on peut se dire pourquoi pas. Bah, en fait, c'est un Yopter. Alors, ça, il a 20% air, c'est pas un truc de fou. Mais 0% neutre, 2% terre. Je suis fait 488, 4100 codes, je fais comment? Je comprends pas ta question, EZ Form. Comme si tu me dis, Us, j'ai une copine, je fais comment? Bah, c'est tout. Tu me donnes une information neutre, suivie d'un questionnement qui a rien à faire là. Je comprends pas. À part l'infeu et le groupe, c'est équilibré. Tu trouves, Seox? Et du feu trop fort. Salut Firzus. Firzus, calme-toi, je vois que t'es énervé là. Pourquoi Vertu? Est-ce que je autorise ce yop à Vertu? Perd une vita ou pas? Perd pas de vita, ZZZ. J'ai bien mangé ce soir, c'est qui? Allez, go! Non, mais d'origami, putain. Ouais, c'est un truc de ouf. Je tape que les 200 pretex, ça me rend dingue. Ouais, c'est normal. C'est vrai que t'as beaucoup de cotes. Bah, c'est tout. Essaie d'être plus sélectif. Putain, mais on ronfle quoi, 40% raise. Essaye d'être plus sélectif. Si tu vois que les yops que t'affrontes sont systématiquement 200 pre-tech, bah c'est tout, commence à abandonner contre les yops. Ouais, Nelox. Bien joué, Lorclam. Lorclam, il y a une console en trop dans ton pseudo. Donc, laquelle on dégage? Et en 3 et 3, quand t'es avec 2-200 et que t'as pas de pre-tech, bah tu meurs T1 et c'est triste. Donc, s'il n'y a pas la scission 200-199, c'est un peu mort. Vas-y, contre un Nénu. J'ai une. Ah oh, putain, les lags, regardez un petit peu. Ouah, c'est désagréable.
Après, je relance. Salut QT4. Bah, très bien, Caribou. On teste le farm là. Alors, tac. Oh, les lags! À 800 HP. Bon, là, je peux plus gagner. Vous voyez, pourtant, j'ai une initiative, hein, malgré tout. Je vous dis, le roublard terre va quand même galérer contre des cras, contre des énus. Par contre, là, je le tue. Hein. Enfin, je pense. Ah non, merde. Oh, en Kama.